Dubois qui va se servir de son pied droit pour dégager et soulager. Non, finalement, pas d'en avant, à la limite de l'en avant. Ce ballon était derrière pour Monsieur Dufort et la relance de Niniashvili le long de la ligne de touche. Le crochet intérieur de Niniashvili qui semble sonner là sur le coup, sur ce plaquage perpignanais de Tomé Cochard, me semble-t-il, qui a été surpris par ce crochet intérieur. Clairement un jeu déloyal. Clairement un jeu déloyal, il attaque haut. On va regarder à la vidéo, c'est un jeu déloyal. Exactement, voir s'il change pas de course, c'est l'attaquant. Ouais, bonne remarque. Mais en tout cas, ouais. Vidéo. Fais décision, s'il te plaît. Ouais. Et là, c'est l'épaule la première dans la tête de David Niniashvili. Le plaquage n'est pas contrôlé. On va remettre là. Ouais. Donc, il y a contact à la tête. Il y a contact à la tête, c'est évident. Donc, on est sur du jeu déloyal. Maintenant, on a un plaqueur qui est haut et toujours haut. Voilà. Maintenant, peux-tu remettre l'angle de caméra, l'autre de l'embut arrière, s'il te plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Capitaine. Alors, heureusement, là, pour Niniashvili, il ne s'agit que de Tomé Cochard. Là, tu fais un arrêt sur image. J'ai l'impression que le premier contact est à l'épaule. On est d'accord? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît. C'est la 11. C'est la première et la dernière fois. À 10. Moi, je vois. Alors, il y a deux choses. Il y a un changement de direction du noir. Et moi, je vois un contact d'abord épaule et après qui touche la tête. Donc, pour moi, je partirai sur une pénalité carton jaune. Alors, carton jaune. Sur l'angle d'un but arrière. Il y a un changement de direction de toute façon, Philippe. Il faut dire que David Niniashvili, c'est l'homme à arrêter cette saison à Lyon. Clairement le facteur X de cette équipe qui peut surprendre par ses crochets. Et là qu'il a un peu payé cash ce crochet. Bon, donc il y a le changement clairement de direction. On restera sur pénalité et carton jaune. Il s'en sort bien là. Ah, c'est bon, allez. 9. Il y a un contact à la tête, deux facteurs atténuants. Le contact est indirect, c'est épaule-tête. Il y a le changement de direction aussi. Là-bas, ça sera pénalité carton jaune. Allez, carton jaune contre Ecochard Perpignan. À 14 contre 15 jusqu'à la 27e minute.